www.lascene.info. Nous sommes aujourd'hui avec Joe de Chiffre, qui est très connu à la scène pour ses multiples activités, pour son ancienne profession et également pour ses activités dans le milieu associatif. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de manière à te présenter pour les gens éventuellement qui ne te connaîtraient pas suffisamment ? Ah, ça c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je suis né à la scène d'abord. Et puis depuis des années, de mon métier, donc j'ai connu beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens. Et puis au point de vue associatif, je me suis impliqué très jeune dans l'office du tourisme et puis dans multiples associations de la Seine. C'est pour ça que j'ai pas de mal à. J'ai du mal à reconnaître les gens parce qu'ils n'ont pas l'étiquette sur l'œil. Eux, ils me reconnaissent, moi pas. C'est un peu dommage. Et puis, tu t'es lancé dans l'écriture. Et te lançant dans l'écriture, tu as mis en place une association. Enfin, tu as participé à son fondement. Maintenant, tu la diriges, c'est Passion d'auteur, une association d'écrivains seinois, mais qui englobe également toute la périphérie autour de la Seine et de Toulon. Marseille également. Et à partir de là, nous allons petit à petit obliquer vers ton activité littéraire, vers ce que tu as écrit, pour nous amener à parler de ce livre dont il est question, Hippolyte Jomard. Ah ouais. Mais avant Hippolyte Jomard, qu'est-ce que tu avais écrit ? Parce que tu as écrit pas mal de choses. Oui, de toute façon, j'ai toujours écrit. Je faisais des éditoriaux pour des journaux professionnels. J'ai toujours aimé écrire. J'étais dans les lettres depuis 14 ans, depuis l'âge de 14 ans. Et puis donc, plus à petit, en ayant un peu plus de temps, c'est pas une retraite que j'ai parce que je travaille encore. Mais petit à petit, je me suis un peu plus penché sur l'écriture et sur le roman. Je fais des contes, je fais beaucoup de contes et des nouvelles parce que j'aime ce qui est court, ce qui est avec une histoire qui ne finit pas toujours bien, mais fait des nouvelles. Les nouvelles, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et là, c'est le premier, j'allais dire long métrage, on m'a dit long en cours, c'est peut-être vrai. C'est une histoire qui débute à la Seine en 1668, à l'époque où la Seine et Sifour se séparent. C'est pour ça que j'ai fait partir mon héros qui habite Pourquier, ou qui habitait Pourquier, à la limite de confondre la Seine et Sifour. Et puis voilà, il part pas pour ça, mais il part à l'aventure parce que c'était l'époque. Ses parents, qui ne voulaient pas d'ailleurs qu'il aille construire les forts pour Colbert, il a choisi la mer, donc il est parti. Il est parti comme mousse. Il a fait longtemps une navigation sur la Méditerranée avec les dangers de l'époque, c'est-à-dire les morts, les pirates. Et puis un jour, il part toujours avec son bateau. Enfin, c'est pas son bateau, il était officier à bord d'un bateau de Seinois, un corsaire. Pas un corsaire, c'était pas un corsaire, c'était un bateau de transport. Et ils vont à Cadiz, en Espagne, et là, ils rencontrent l'aventure, c'est-à-dire, à cette époque, traverser l'Atlantique, c'était l'aventure. Cette aventure, on savait quand on partait, on savait pas où on allait, on savait pas si on retournerait. Et c'était vraiment l'aventure. Et avec deux ou trois copains, ils partent, ils trouvent un embarquement. Et c'est un embarquement sur un négrier. Donc voilà, après c'est l'aventure de la traite du bois d'ébène. Et puis on finit, il y a des aventures bien sûr, il y a des naufrages, il y a des grosses tempêtes. Donc on arrive après à avoir navigué autour des Antilles et de Saint-Domingue. On arrive en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'était Saint-Louis, c'était le Missouri, le Mississippi. Le Mississippi s'appelait à l'époque le fleuve Colbert d'ailleurs. À partir de là, l'aventure continue avec les Indiens. Ils découvrent donc la vie des Indiens jusqu'au-delà du Missouri. Et c'est une chose extraordinaire parce que j'ai découvert
aussi en faisant des recherches, que la vie des Indiens, des nations indiennes à cette époque, c'était pas les cow-boys et les Indiens du XXe siècle. Ils avaient une culture extraordinaire et voilà, c'est un échange. Le gros de l'histoire, si vous voulez, c'est que c'est la rencontre de trois races, c'est pas un gros mot. Donc ce qu'on appelait les peaux rouges, les noirs, les blancs, et qui arrivent à s'entendre bien et puis à faire des miracles et à vivre. En un sens, avec ce rapide exposé que tu nous as fait, qui est très détaillé, tu m'as un peu coupé l'herbe sous les pieds, parce que j'avais l'intention de te poser quelques questions que je pensais pertinentes, mais là, tu as tout devancé. Simplement, je reviens sur un point, donc c'est un Hippolyte Jomard, c'est un personnage réel. C'est un personnage, de fiction. C'est un personnage de fiction, mais à la limite, nous savons, toi et moi, qui écrivons tous les deux de la fiction, qu'en réalité, la différence entre la réalité et la fiction, elle est illusoire. Dans tout ce qu'on écrit, il y a toujours de la fiction et de la réalité. Mais en revanche, dans ce que tu écris, et là tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il t'a fallu plusieurs années pour écrire le bouquin, tu l'as laissé de côté, tu as écrit autre chose, tu es revenu, et je pense que tu as procédé par étapes chaque fois que sont tombés sous ta main des documents qui te permettaient d'aller plus loin. C'est un peu comme ça. Je crois que c'est le plaisir de la recherche et de l'écriture, parce que tu as des arguments, tu as des faits, donc, et ton personnage, qui est un peu toi aussi, il réagit à l'histoire, il réagit aux événements, il réagit à la rencontre avec des hommes, les autres hommes. En même temps, d'après ce que tu dis, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un bouquin qui est étonnamment moderne, parce qu'il y a question de trois ethnies, des Indiens d'Amérique, des Noirs d'Afrique, des Européens, et à un moment, il y a une sorte de fusion qui se crée entre ces trois ethnies, c'est-à-dire un véritable métissage, mais qui s'est fait de manière quasi naturelle. Alors que de nos jours, on nous rabat un peu les oreilles avec le métissage. Alors là, ça s'est fait naturellement, et petit à petit, ça a donné lieu à l'émergence d'une culture quand même assez intéressante, qui est celle non seulement des États-Unis, mais également des îles comme Haïti. Tout à fait. Dans le fond, j'ai voulu démontrer que l'homme n'est pas méchant. C'est pas un lion, ni un loup pour l'homme. Quand il est bien drivé, quand il a une bonne culture, quand il a une ouverture d'esprit, on peut s'entendre, le monde entier peut s'entendre. Et la philosophie, si on peut parler de philosophie dans ce bouquin, c'est de prouver que l'homme peut s'adapter, peut faire du métissage sans arrière-pensée, c'est naturellement. Tout à fait. En même temps, j'ai retrouvé dans ce livre cette passion pour la mer qui transparaissait dans certains de tes courts récits. Hein, on sentait déjà qu'il y avait une passion pour la mer, passion que tu partageais avec notre ami commun, avec Serge Malcor. Voilà. J'ai retrouvé là un certain mode de résonance qui correspond à des textes que les uns et les autres ont écrits. Et là, j'ai mieux compris là, cet itinéraire, cette conception du bouquin d'Hippolyte Jomard. Mais en fait, maintenant, et pour l'anecdote, lorsque j'ai vu que le texte se situe au XVIIe siècle, j'ai regardé la couverture, un peu malicieusement, je me dis, mais au XVIIe siècle, il n'y avait pas de photo. Alors, tu peux nous dire un mot là sur la photo? Oui, c'est une anecdote. Ce livre, ça fait des années qu'il est en gestation, et il y a 4 ans, mon fils a fait la connaissance d'une Haïtienne qui est venue en France à la suite du séisme. Elle a été un peu traumatisée, donc elle est venue en France et il l'a connue, et en parlant avec elle, donc j'ai retrouvé plein d'aventures que je lui ai fait vivre. C'est pas elle l'esclave, mais elle a vécu, ses parents sont toujours à Haïti, et ils ont, voilà, on joue avec eux. En parents, quoi. On ne se connaît pas, il y a 5000 km entre nous, mais on sent qu'il y a une osmose qui s'est faite.
C'est pour ça que sur la couverture, il y a mon fils et ma belle-fille. Très bien. Et pour en arriver un peu à une conclusion un peu hâtive, la plupart d'entre nous écrivent beaucoup sur la Provence, comme tu l'as fait toi-même, écrivent beaucoup, font de la littérature qu'on dirait régionale ou locale, bon, qui a son intérêt, qui a toutes ses qualités. Mais là, tu franchis un cap, parce que tout en étant profondément régional dans tes appréciations, tu as quand même fait le saut du voyage vers un autre continent, vers d'autres cultures, mais en même temps en conservant toute ta culture provençale, le goût de l'aventure, le goût des voyages qu'on trouve même chez la plupart des héros, des héros de Pagnol, c'est-à-dire l'envie d'aller voir plus loin, d'aller voir comment ça se passe ailleurs, comme les héros des grands récits de toute la Méditerranée. Tout à fait, donc, mais on est méditerranéen. Et le Méditerranéen aime voyager. Donc, et puis il y a un esprit, j'allais dire un esprit de Provence, un humanisme que je me suis permis d'exporter sur de nouveaux continents que l'on découvre, parce que c'était vraiment la découverte primale. Hein, quand on arrivait dans ce delta du Mississippi, c'était un autre monde. Hein, il n'y avait pas beaucoup de terre. À cette époque-là, il y avait les Indiens autochtones, bien sûr, les Houmas, les Choctaw, mais il y avait les Espagnols aussi, pas loin, en Mexique. Donc, ils faisaient des incursions chez les Indiens pour acheter des peaux, Donc, il y avait un commerce qui se mettait en place. Et j'ai découvert en lisant bien sûr un peu partout que les Indiens, on peut appeler Indiens, c'est pas le mot Indien, c'est pas le vrai mot, mais enfin, pour l'instant on peut appeler ça les Indiens, aimaient commercer avec les Français mieux qu'avec les Espagnols, et encore, ils étaient totalement allergiques aux Anglais, tout au moins aux anglophones. Et il reste encore, aujourd'hui, le seul, le pays cajun. Il y a les cajuns qui sont des anciens français, donc qui parlent encore, mais moins bien que la nation Houma, qui est la seule nation indienne qui parle français encore aujourd'hui. Tout à fait. Donc, pour revenir sur ton livre, pour arriver à la conclusion de cet entretien, ton livre, toi, on peut te rencontrer éventuellement à l'Office du tourisme pour discuter avec toi. Mais le livre se trouve à Charlemagne et on te suivra et on pourra te rencontrer lors des soirées des Carrés des écrivains Passion d'auteur à Sanary, à Bandol, à La Ciotat. Cette année, La Ciotat. Et à Saint-Cyr. Donc, en juillet et août, on a 17 soirées d'organiser dans ces villages, ces villes, pardon, aussi. Voilà, à la rencontre des lecteurs. On est une trentaine d'auteurs de la région, qui, fidèles d'ailleurs, ça fait presque 10 ans que l'on fait ces manifs, et qui nous suivent, qui nous demandent d'ailleurs vite d'être présents. Donc, Hippolyte Jomard, par jeu de chiffres, aux éditions Sud-Arène, un éditeur local qui est maintenant basé sur hier, un éditeur jeune, en pleine expansion. Tout à fait, jeune. Merci. www.lascene.info